Boker Tov aux auditeurs de studiocalita.com. Il est 8h ce matin sur la fréquence studiocalita.com et nous nous retrouvons avec plaisir pour cette heure désormais quotidienne d'actualité. Une heure qu'il faut l'avouer ce matin sera quelque peu exceptionnelle au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Alors ce matin, nous avons en effet décidé de modifier quelque peu le déroulé habituel de cette heure afin de pouvoir mieux analyser ensemble les résultats de ce second tour des élections présidentielles. Nous allons donc commencer par un rapide survol des titres de l'actualité et puis ensuite nous allons tenter de mieux comprendre l'impact de cette élection, ses répercussions tant sur la vie publique en France qu'au sein par exemple de la communauté juive ainsi que pour l'État d'Israël. Et nous ferons ces commentaires avec le président de Qualita, Marc Aizenberg, qui doit nous rejoindre dans ce studio dans quelques instants, et à Paris avec notre ami Arié Bensemoun qui dirige pour l'Europe l'organisme Elnet et qui est depuis de nombreuses années un observateur avisé de la réalité en France et même de la réalité entre la France et Israël. Ce n'est que vers 8h50, heure israélienne, que nous clôturerons cette heure d'actualité par une revue complète de la presse et des médias israéliens, une revue qui sera bien entendu placée sous le signe de l'élection d'Emmanuel Macron et des commentaires qu'en font la presse et les médias israéliens ce matin. Alors tout d'abord, les titres dans l'actualité en Israël, comme de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a très vite réagi hier soir à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. « Je compte travailler avec Macron et affronter avec, à ses côtés les défis communs auxquels sont confrontées nos deux démocraties, la démocratie française et la démocratie israélienne, et en particulier le défi que nous pose le terrorisme islamiste radical, ce terrorisme qui frappe sans distinction à Paris, à Londres et à Jérusalem », a déclaré Benjamin Netanyahou dans un communiqué publié hier soir. Le président américain Donald Trump a également affirmé qu'il espérait travailler conjointement avec Emmanuel Macron, tout comme Theresa May, la chef du gouvernement britannique. « J'espère que nous travaillerons ensemble », a-t-elle déclaré. La France est l'une des alliés les plus proches de la Grande-Bretagne, a-t-elle souligné, et l'ensemble des médias israéliens insiste avec une certaine précision ce matin sur le fait qu'Emmanuel Macron est désormais le plus jeune président de la Ve République. Rechet Bet, la chaîne d'information de Kol Israël, cite un extrait du discours de la victoire prononcé hier soir devant la pyramide du Louvre par Emmanuel Macron devant des dizaines de milliers de supporters. « Je promets d'œuvrer en faveur de l'unité au sein de la nation et de préserver l'Europe durant mon mandat », a déclaré Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, a remercié les 11 millions de citoyens français qui lui ont donné leur vote en ce 7 mai. Elle a déclaré « Cette campagne a mis en évidence la déchirure au sein de la société française entre les patriotes et les supporters de la globalisation ». Autre titre important ce matin dans la presse et les médias israéliens, Marwan Barghouti, le terroriste palestinien qui purge actuellement, vous le savez probablement, une peine de 5 réclusions à perpétuité dans une prison israélienne pour son implication dans l'assassinat de plusieurs Israéliens durant la seconde intifada. Marwan Barghouti a donc été surpris la main dans le sac. Je vous rappelle que Marwan Barghouti a initié il y a plusieurs semaines une grève de la faim collective suivie aujourd'hui par quelques centaines de détenus palestiniens officiellement afin d'améliorer les conditions de détention de ces prisonniers palestiniens. Mais hier, l'administration pénitentiaire a diffusé un extrait vidéo montrant clairement comment dans les WC de sa cellule, Marwan Barghouti se nourrissait très discrètement de barres de chocolat et de gâteaux et brisait ainsi la grève de la faim qu'il a lui-même initiée. Pour le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, cela prouve que cette grève de la faim n'a pas été déclenchée pour améliorer les conditions de détention des prisonniers, mais uniquement pour permettre à Marwan Barghouti de renforcer son statut de leader palestinien au sein donc de l'autorité palestinienne. Gal Berger, le correspondant de Rechet Bet, souligne que les médias palestiniens ont totalement fait abstraction de cette vidéo, mais celle-ci est largement diffusée sur les réseaux sociaux, y compris sur les réseaux sociaux palestiniens. Et puis, il y a eu hier soir une tentative d'attentat devant la porte de Damas à Jérusalem. Une jeune Palestinienne a tenté de poignarder des gardes frontières qui patrouillaient sur place, et ce au cri de « Allahu Akbar ». Un garde frontière a immédiatement riposté et l'a abattu.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier effectue actuellement une visite de 3 jours en Israël. Il a déclaré hier après-midi, après avoir reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem, je cite, « Nous devons tolérer les ONG qui critiquent le pouvoir élu », une déclaration du président allemand qui fait allusion à l'incident diplomatique de la semaine dernière qui avait conduit le Premier ministre Benjamin Netanyahou à annuler sa rencontre prévue avec Sigmar Gabriel, le chef de la diplomatie allemande, et ce parce que celui-ci avait rencontré durant sa visite en Israël les représentants de Shoverim Shtika, Breaking the Silence. Steinmeier a admis que son gouvernement à Berlin et le gouvernement israélien avaient, a-t-il dit, des positions distinctes sur ce qui est légitime en démocratie et sur ce qui ne l'est pas. Cependant, en dépit de ces divergences de vues, a-t-il dit, le socle de la relation entre nos deux pays est resté particulièrement solide. Hier soir, Frank-Walter Steinmeier et son épouse ont dîné à la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec le Premier ministre et son épouse Sarah. La météo pour terminer ce premier journal de la matinée. Le temps sera de plus en plus chaud et presque caniculaire en Israël. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin donc de ce journal. Nous allons, comme je vous le disais tout à l'heure, reprendre l'antenne dans quelques instants en compagnie de Marc Eisenberg, le président de Qualita, pour commenter les résultats donc de cette élection présidentielle, l'arrivée à l'Élysée Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, le plus jeune président de la Ve République. Ce sera dans quelques instants.